Eh bien, salut à tous, c'est Monsieur Pepper, j'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour le troisième épisode de Road to Money, la série d'achat-revente. Alors, excusez-moi d'avoir pas upload d'épisode pendant une semaine et demie à peu près. Simplement que j'avais pas beaucoup le temps de faire d'achat-revente, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc vous allez voir que dans cet épisode, il y aura qu'une séquence, tout simplement, parce qu'à la fin de la première séquence, on avait investi pas mal de crédits pour faire une petite surprise que vous verrez dans le prochain épisode. Donc cette technique consistera à acheter que des joueurs irlandais. Donc on a fait le stock de joueurs irlandais pour la Saint-Patrick, donc vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Donc on a pris pas mal de joueurs à 350 crédits, comme vous pouvez le voir, comme des Chadli, des Douglas Costa, des Ziegler ou des Pjanic. Donc vraiment des joueurs qui partent vraiment bien. Ces joueurs là on les a achetés vers 300, 400 crédits, 500 crédits maximum, et on les a revendus. Donc par exemple là, lui pour Ramsey, on l'a revendu 1400 il me semble, en style pilier. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, tous ces joueurs là ça fait à peu près 900 de bénéfice sur des gros joueurs et 300 sur des petits joueurs comme Fanny et tout, etc. Là, un Mariano qu'on a acheté 1000 et qu'on va revendre 1700. Wellington également qu'on a acheté 550 et qu'on va revendre 1000. Papadopoulos, donc un très bon défenseur aussi, qu'on a vendu 650. Il y avait aussi des joueurs comme Lamine Sané, 950, un joueur très basique de Ligue 1, vraiment des très bons joueurs. Labiad par exemple, on l'a revendu 1200, donc ça fait 900 de bénéf. Alors lui, Moreno, on l'a racheté 500, mais revendu 1400, et Ayala pour finir 950. Donc une fois que ces joueurs étaient vendus, on avait 42 000 crédits, donc c'est vraiment pas mal. En étant parti de 29 000 au début de la première séquence. Donc là, on a eu un Krikoviak à 650 crédits, les gars. Donc on va de suite le revendre en vente immédiate à 950 crédits. Donc ça fait à peu près 1000 crédits de bénéf, parce qu'il n'y a pas de taxe IE pour les ventes rapides. Donc vous pouvez voir que le bénéfice de cet épisode est de 13 000 en une séquence. Donc c'est vraiment pas mal. Donc vous allez voir que dans le quatrième épisode, on va investir sur les joueurs pour la Saint-Patrick. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Peppers. Prenez soin de vous.